Je m'appelle Camille, je sais pas si vous vous rappelez de moi. J'avais dit que j'allais pas dire cette phrase, mais en fait, c'est vrai que c'est possible que vous vous rappelez pas de ma tête, parce que ça fait tellement longtemps. Voilà, je sais pas, ça fait pas mal de temps que je réfléchis en fait à voilà pourquoi j'ai quitté cet endroit qui était ma chaîne, où j'aimais beaucoup poster. Je me demande, voilà, pourquoi j'ai fait ça. Et en ce moment, voilà, je me questionne beaucoup un peu aussi parce que voilà, mes proches me disent: ah, mais pourquoi t'as arrêté les vidéos? Voilà, t'étais bien dans ce que tu faisais. Et je me dis, mais c'est vrai, en fait, j'aimais beaucoup. Et c'est juste qu'en fait, j'ai laissé tomber ça au profit d'autres choses, comme certainement mes études, parce que voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est vrai. Après, c'est vrai que je continuais quand même à poster des vidéos un peu de mes voyages, des vlogs, des trucs comme ça. D'ailleurs, j'adorais faire ça. Et je regrette beaucoup de ne pas avoir fait ça cet été, parce que cet été, j'ai eu la chance de pouvoir aller dans quelques endroits, comme le Portugal, Amsterdam. Mais j'ai pas beaucoup filmé, et il y a pas longtemps, j'ai essayé de faire quelque chose avec ce que j'avais. Mais voilà, ça pouvait pas en faire une vidéo, certainement. Et je m'en suis assez voulu en fait, et c'est un peu tout ça qui m'a dit: mais pourquoi en fait, pourquoi tu fais plus ça? Genre, il doit y avoir un truc. Je me suis mis à penser à ça et je me suis dit, bah, en fait, c'est juste que j'ai tellement eu l'habitude de plus faire, parce que je m'étais dit: oh non, mais j'ai pas le temps, voilà, je suis dans mes études, j'ai un peu de temps libre et je fais autre chose avec, que voilà, j'ai juste arrêté de faire ça. Alors qu'en fait, c'était un truc que j'aimais beaucoup faire, ça me permettait un peu de, voilà, de pouvoir m'exprimer, de pouvoir, bah, créer des choses, montrer un peu mon côté créatif, même si que j'ai ou que j'ai pas, je sais pas, mais j'aimais beaucoup faire ça. Et je trouve ça vraiment dommage d'avoir quitté comme ça, surtout en plus sans rien dire. C'est vrai que j'ai l'impression que là, je suis toute gênée, alors qu'en fait, il n'y a personne chez moi, mais je sais pas, ça me fait bizarre et j'ai l'impression que je sais plus faire. En tout cas, voilà, donnez-moi vraiment tous vos avis en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, comment comment vous allez. J'espère que... peut-être arrêter de me toucher les cheveux. Du coup, voilà, je vous fais de gros bisous et j'espère qu'on se voit très vite, mais je suis sûre que oui, en fait. Thank you.